Les petits du quartier, ils m'ont demandé de venir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Pour faire une réunion. Et il me reproche. Vous me reprochez quoi? D'avoir changé. D'avoir changé. J'ai plus de temps pour vous. Je suis jamais là. Mais d'accord. J'entends ce que vous dites. Regardez, je suis même venu pour assister à la réunion. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi j'ai plus le temps pour vous? Trop de gens qui viennent. Trop de photos. Tu fais trop de zap avec les autres. C'est plus la chaîne comme avant. C'est plus la chaîne comme avant. Avant on était. T'as dit quoi? Faut que je redevienne pauvre. Comme ça, Nasdas redeviendra la chanté. Il faut la chanté dans la vie, sinon on n'est plus rien. Je le jure que le temps qui me reste sur Snapchat, je redeviendrai la chanté. On redeviendra la chanté. Je le jure que le temps qui me reste sur Snapchat. Regardez la chanté, ça c'est des orbises. Moi, j'ai mis mon casque de sécurité. Les jeunes, ils vont avoir des lunettes de sécurité. Parce que regardez ce que j'ai. Ça, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des orbises. Je sais pas s'il est allumé. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est de la patate. Il existe différents modèles. Bref, vous avez fait les équipes ou pas les gars? Ouais. J'ai pas entendu, putain. Lunettes de sécurité. Ah, ils vont se régaler. Je vous jure qu'ils vont se régaler. Oh, je vous jure que moi, ça fait une semaine ou plus que je les ai. Oh, à la maison, on se régale. Lunettes de sécurité. Équipe 1, vous êtes prêts? Ouais. Équipe 2, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, parti! Ouais. Ah, ça y est, là. Tout le monde est parti se cacher derrière des voitures. Ah. Ils sont en train de se régaler, voilà. Et voilà, ils sont en train de se régaler. Aïe! Aïe! Ça m'a tiré dessus! Aïe, Mayel! Regardez Mayel, regardez Mayel! Je suis en train de t'allumer! Je suis en train de t'allumer! Aïe! Regardez Mayel, regardez Mayel! Allez, il y a des munitions pour tout le monde! Il y a des munitions pour tout le monde! Rechargez, rechargez les gars! Allez, il y a des munitions! Découvre le billet qui est à l'intérieur, il est pour toi! Oui. Comment ça, oui, Nordjean? Tu dois dire, il y a combien à l'intérieur? Comme tu veux. Comme je veux. C'est la meilleure réponse. Il y a 50 euros, ben c'est comme je veux. Et tu les as gagnés. Je veux pas être méchant. Je veux vraiment pas être méchant. Mais comment vous voulez que les femmes d'aujourd'hui se marient? Mais c'est quoi ce style-là? Mais c'est quoi ça? Déjà, qui t'a dit que nous, on voulait se marier? Déjà, premièrement. Et en plus de ça, j'ai trop la classe. Et quand je vois les hommes qui se marient aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de me marier, je dis la vérité. Mais la tête d'un mec que je préfère avoir mon style que le vôtre, va. Un vrai style. Concernant la carte de demain, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Concernant la carte, la bonne nouvelle, c'est que 40 000 euros vont être rajoutés à la somme que je voulais mettre de base. Supposons que je voulais mettre 20 000 euros de base, parce que je ne vais pas vous dire la somme que je voulais mettre de base. Ben, si je voulais mettre 20 000 euros, ça fera 60 000 euros. Il y a 40 000 euros qui se rajoutent à HLT. Si je mets 10 000 euros, ça fait 50 000. Si je mets 50 000, ça fait 90 000. 40 000 euros vont être rajoutés. Je vais péter un plomb. Oh, je vais péter un plomb. Il y a une entreprise, la HLT de parfum, qui m'a envoyé 2 palettes de parfums pour distribuer au quartier, regardez. Elixir, privé, Paris, lot de 32 pièces. Regardez les chiens. Regardez les chiens, ils ont fait quoi? Oh, oh, je vous parle. Eh oh. Oxo, attends là. Hey. Oh, je vous parle. C'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je te parle, c'est toi? C'est toi, Athéna? Athéna, c'est toi ou pas? Voilà, voilà. Ça, c'est des personnes du quartier que vous voyez très rarement à la chanté. Comme lui, c'est Yahya à la chanté. Oh, il m'a toujours soutenu sur les réseaux. Et même pas, il passe dans mes snaps, il me demande jamais rien. Mais du coup, j'ai appris que tu te lançais sur Snap.
Il va snapper la vraie Shemto au quartier. N'hésitez pas à le suivre. Et voilà, c'est un des meilleurs amis de Kamel. Voilà. On a le sosie à Sergio Busquets au quartier. Oh, je vous jure que tu me dis que t'es le fils à Sergio Busquets, je te crois. Beau gosse, waouh. On a le sosie à Sergio Busquets au quartier. Farah, ma soeur, c'est une vaillante. Elle a investi toute seule ses machines de granité et tu les revends combien? 2,50€. Et t'as fait ça toute seule, machallah? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas du tout à elle. Voilà, ça appartient à ce snack. Durant ma carrière, j'ai partagé des snaps et des sites internet pour les parfums. Mais là, cette fois-ci, c'est un compte certifié. Un réel compte certifié que je vais vous partager. Sûrement que vous connaissez des grossistes en parfum. Mais Belfrag, c'est eux qui fournissent les grossistes. Je vais tout vous expliquer. Mais regardez ce qu'ils ont ramené au quartier. Moins 50% sur leur site HNT. Ils ont plus de 50 références de parfums. Genre, vous connaissez, comme je vous ai dit, des grossistes. Ben, c'est eux qui les fournissent. Il n'y a plus d'intermédiaire. Là, il y a leur snap qui est certifié. Et la HNT, regardez. La qualité de leur parfum, elle est juste incroyable. Là, il y a tout le quartier, je dis bien, tout le quartier qui est en train d'attendre. Tranquille, tranquille. Ils sont tous en train d'attendre avant de récupérer leur parfum, la HNT. Donc, l'été arrive. Si tu veux lancer ton business, ils vont tout expliquer, tout détailler. N'hésite pas, le snap il est là. Belle frag. Plus de 50 000 followers et certifiés sur Snapchat. Ça c'est juste pour vous montrer qu'ils ont déjà une base de clients qui est juste immense. Et s'ils ont la certif, c'est qu'ils sont vraiment professionnels. Genre tu peux te faire livrer très rapidement, ils ont une base sur Aubervilliers. N'hésitez pas, belle frag, c'est vraiment de la qualité. 5 000 euros de cadeaux à faire gagner la HNT. Ils ne visent pas que les grossistes, ils visent aussi les particuliers. Les prix, c'est des prix records de parfums pour la qualité. Niveau qualité-prix, c'est juste incroyable. Et tous les mois, je dis bien tous les mois, ils feront en sorte de faire gagner leur communauté. Ils font déjà. Donc n'hésitez pas, si t'as pas belle frag, c'est le moment de les ajouter. La file, elle est juste immense. Tout le monde veut son parfum de belle frag. Vas-y, c'est un parfum chacun. Et on dit merci, allez. Tout le monde va en avoir. Il y a du stock et en gros. La file, elle est juste immense. Allez juste voir les prix. Juste regardez les prix et vous allez voir que ce soit un particulier, un professionnel ou un débutant dans le professionnalisme des parfums, le site il est juste incroyable. Regardez, je suis gentil hein. Voilà, je fais venir des gens qui offrent des parfums et regardez comment ils me le rendent. Regardez s'il vous plaît tous les... Ah mais arrêtez, non, arrête, non, ça te fait rire. Ah, je rigole pas, Julien, non. Mais pourquoi tu fais ça? Il y a de l'argent, les gars, il y a de l'argent. Non, mais ça va être, c'est simple. Oh, si vous nettoyez le quartier, toutes les personnes qui nettoient le quartier, je leur donne un billet de 50. Oh, jetez tout à la poubelle, hein. Ah, mais vous battez pas pour autrement, c'est bon, tranquille, hein. Toi, tu le connais même pas. Oh, jetez tout à la poubelle. 50 euros par tête. En 30 secondes, problème réglé. Bon, bah vas-y, faites une ligne. Allez, faites une ligne, vous battez pas. En 30 secondes. Merci Nasdas. De rien. De rien. Merci Nasdas. De rien. Merci Nasdas. De rien. Merci Nasdas. De rien. Merci Nasdas. De rien. De rien. Merci Nasdas. De rien. Merci Nasdas. De rien. Merci Nasdas. T'en as pris deux. De rien. De rien. De rien. Oh, people. Ah, t'as rien ramassé toi. Oh, mais elle a rien ramassé elle. Rihanna. Dans quelques mois, elle sera maman d'une fille. Oui. C'est incroyable quand même. Et nous, Morgane, on a un fils. Tu vas en venir où là? On pourrait les marier. On pourrait genre marier ta fille avec mon fils. Notre fils ne se mariera jamais. Voilà. Après, c'est vrai. Je peux pas marier mon fils vu que ta fille va avoir les mêmes gènes que toi. Toi, je suis désolé. Non, tu vas faire un truc, hein. Voilà que tu vas faire un truc à tes cheveux. Ah, tu vas aller les couper. Ça y est, c'est fini ce délire. Voilà que c'est fini. Ah, ce délire de cheveux longs, c'est fini. Il est fou quand tu vois, ils sont pas. Ça sonne, laisse. Mansour, laisse. C'est qui? Lina? J'aime trop faire des stories où je coupe pas.
Ah ah. Putain, mais c'est les Total Spies. Ça va les filles? Ça va et toi? Allez, monte. Outfit dégueulasse. Franchement, toi, j'aime bien l'orange. J'aime bien. Merci. Dégueulasse. Ouais. Vous avez presque la même coupe. C'est la même, c'est lui la triche. Non, arrêtez. Comment vous trichez juste pour la triche? Il y a 500 euros. Les 500 euros, regardez. Je vais les mettre dans la boîte de Kellogg's. Mais voilà, je vais bien les cacher. Et cette boîte de Kellogg's, je vais aller la donner à une personne. Je vais lui dire tiens, un cadeau. Mais je lui dis pas qu'il y a 500 euros. Mansour. Il est Mansour. Tiens, un cadeau pour toi. C'est quoi ça? C'est des Kellogg's. Tu connais les Kellogg's? C'est quoi ça? Kellogg's. J'aime pas les Kellogg's. T'aimes pas les Kellogg's? Voilà, merci, j'aime pas. Mais c'est un cadeau, Mansour, t'es obligé d'accepter les cadeaux, prends-le. Vas-y, merci. Merci, merci. T'as bien fouillé ou pas? J'ai rien, ma sœur. Ma femme, c'est un cadeau, merci. Oh, ça y est, Mansour. Oh, il y a 500 euros. Ça y est, il y a 500 euros. Oh, il y a 500 euros, fais pas n'importe quoi avec. Et ramasse la boîte de Kellogg's. Merci, merci, merci. Toi, va avec lui et vérifie qu'il fait pas n'importe quoi. Vas-y, vas-y, Mansour. Wesh. Hein? Wesh. Y'a rien, wesh, on parle. J'ai rien dit, j'ai dit wesh. Mais moi aussi, j'ai dit y'a rien. Dans un wesh. Alors, bah, les deux, dans une chambre, y'a un lit. Et du PQ, je sais pas parce que ce PQ fout là. Ça va, à croire que je vais aller dire ou balance quelque chose. Je vais rien dire, frère, oh, je vais rien dire. Oh. Lina, t'entends? La nouvelle avec 4 BDB dans la même chambre. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Mais attends, t'énerve pas, t'énerve pas. Ça, attends, Lina, sa main, elle était comme ça. Arrête, arrête, tranquille, hein. Non. Mais t'es qui? Toi, on passe la journée ensemble. Mais t'es qui? On passe la journée ensemble. Oh, 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 ça va partir en couille, ça va partir en couille. Non, mais attends, attends. Toi, t'es la meilleure. Mais tu pars à l'hôtel avec un garçon. Mais moi, c'était pour parler. Mmh. Et ils sont en train de faire quoi là? Mais tu m'as dit qu'elle a mis sa main comme ça sur lui. C'est pas vrai. M'arrête de mentir. Oh là, c'est pas vrai. Même. Tourcoing. Tourcoing. Et voilà, c'était la story de Nasda. C'est dommage, il nous a pas dit la mauvaise nouvelle pour la carte. Il nous a dit la bonne nouvelle et pas la mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, là, il fait fort, là. Il fait fort entre son fils et la future fille de Lauriana Ikrimo. Elle est paniquée qu'il veut la marier, déjà. Il vient à peine de naître, le fils de Nasdas. Il vient à peine de naître que... Elle est même pas née, elle est déjà mariée. Non, il a dit non, non, ça ira pas parce qu'elle aura les gènes de Lauriana. Ah, oh, purée. Les enfants sont pas nés qui veulent les marier. Déjà. Faut voir après, ben, s'il faut, ils vont grandir ensemble, ils vont jouer ensemble, tout ça, quand ils vont être petits, tout ça. Donc voilà, et pour la carte, la plus grosse info, c'est qu'il y a plus 40 000. Waouh! J'ai entendu des chiffres, il y en a, ils ont dit 20 000, il y en a, ils ont dit 30 000. Imagine-toi, il y a 30 000 plus 40 000, ça fait 60 000. S'il y a déjà 30 000 dans la carte plus 40 000, ça fait 70 000 euros. Voilà, mais j'ai entendu dire qu'il y aura des paliers, on pourra prendre pas plus de quelques centaines d'euros par personne. J'ai entendu plusieurs chiffres, j'ai entendu des chiffres par-ci, par-là. Est-ce que c'est des rumeurs fondées ou infondées?
Je sais pas du tout. Donc, normalement, c'est aujourd'hui la carte. Donc, tout le monde est à l'affût en train de regarder le snap. C'est bizarre. D'habitude, il dit une heure. Il dit une heure et après, il présente la carte une heure ou deux après. Là, il a rien dit et il n'a pas dit la mauvaise nouvelle. Voilà, il n'a pas dit la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, dans le chat et dans les commentaires? À votre avis, c'est quoi? Moi, je pense que la mauvaise nouvelle, c'est que ça risque d'être reporté. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En tout cas, il revient à la base, là où tout a commencé, à la place Saint-Jacques. Voilà, la Chienté. C'est vrai qu'après, il s'est retrouvé dans des villas, appartements, tout ça. Il a un peu délaissé les jeunes du quartier. Donc là, il leur fait une belle activité, pistolet à billes. Je sais pas, ça a l'air de faire mal quand même. Mais ils ont crié quand même. Mais faut mettre les lunettes de sécurité, bien sûr, en jouant à ces jeux-là. Faut mettre des lunettes de sécurité. Et je me rappelle dans les stories de Nasdas, les flics qui mettaient en garde à vue quand c'est des pistolets qui ressemblent à des vrais pistolets. Là, ça va. Ça ressemble pas à des vrais pistolets. Ça ressemble à des vrais pistolets du futur spatial. Ma parole. Donc, il a dit, il reste quoi? Il reste 14 jours à snapper. 14 ou 15 jours à snapper. Et il va les snapper avec la Chienté dans le quartier Saint-Jacques, voilà, tout simplement. Et là, il a reçu plusieurs palettes de parfum. C'est des palettes de parfum. Des cartons et des cartons. Et tous, ils ont tout pris. Au début, il a dû dire, prenez un parfum. Je suis sûr qu'après, quand ils se sont tous lâchés sur les cartons, ils ont dû en prendre plusieurs parfums chacun. Voilà, plusieurs parfums chacun. Et ils ont laissé le bordel après les cartons. Et ça marche. Nettoyage contre de l'argent. C'est pas la première fois. Je crois que la première fois qu'il avait fait ça, c'était en 2021, fin 2021, où il a décidé de faire nettoyer le quartier par les jeunes. Voilà, par les jeunes, voilà. Encore Saint-Jacques, ça va. Il y a le nettoyage aussi de la mairie. Mais bon, après la mairie va engueuler, ouais, il y a des cartons en trop, en plus, c'est plus que le travail habituel. Voilà. Voilà. Il y a d'autres zones un peu plus délaissées, on va dire. Donc, là, les palettes de parfums, en tout cas, il a fait fort. Les premiers à avoir pris les parfums gratuits, c'est les chiens. Ils ont défoncé deux, trois cartons. Voilà. Et 4B, cheveux longs. De loin, on pourrait croire que c'est une fille. Il se moquait de l'autre, là, de Mousse Saint-Jacques, avec les cheveux longs, dans la story que j'ai publiée Team Nasdas, là, il y a quelques jours. Et lui, il s'est pas vu. Là, c'est carrément défrisage. C'est pas un brushing. Un brushing, bon, tu passes le sèche-cheveux avec le peigne, ça dure, on va dire, une demi-heure. Si c'est un défrisage, voilà, faut pas faire de coloration avec le défrisage. Par contre, c'est très mauvais pour les cheveux. Il y a des femmes qui ont perdu pas mal de cheveux comme ça en faisant coloration plus défrisage. Si tu fais une coloration, c'est brushing. Donc, parce qu'il a les cheveux un peu ondulés et il a l'air de se rapprocher de Mona. Il a l'air de se rapprocher de Mona au détriment de Lina. Mais bon, Lina s'est rapprochée voilà, elle était à l'hôtel avec l'autre. Donc, elle s'est justifiée, elle s'est expliquée dans une des stories de la team Nasdaq. C'est en titre Lina s'explique. Et elle a dit que c'était par rapport à. Parce qu'elle a vu son ex avec ce TikToker. Donc, après, pourquoi rendez-vous à l'hôtel? Pourquoi pas? Il y a un commentaire qui a dit pourquoi pas rendez-vous dans un café? Et après, la vidéo ensemble à l'hôtel, pour sa mère, je sais pas, ça a l'air louche, tout ça. Je laisse le bénéfice du doute quand même, je laisse le bénéfice du doute. Hein. Voilà, et l'autre actu dans la dernière story de Nasdaq, c'était Ella et Angie qui voulaient partir le 30 juin quand Nasdaq s'arrête de snapper avec Ashmi. Et là aussi, elles se sont justifiées, surtout Ella. Dans la dernière story de la team Nasdas, voilà, dans la dernière story de la team Nasdas qui est sur la chaîne, comme quoi c'était, voulait se mettre en couple avec Hashmi, tatati, tatata, Hashmi qui fait des tours du monde à 50 000 euros, qui claque des 20 000, qui voyage, tout ça.
Je sais pas. Là aussi, là c'est parole contre parole. Par contre, Hachmi, il a dit c'était juste pour participer au snap. C'est parole contre parole, voilà. Donc on va attendre, on va scruter la carte Nasdaq. Donc si j'ai des infos, je ferai soit un post dans l'onglet communauté, soit je refais une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.